Quittez-moi un notre pronom sans commentaire. <laughs> Vraiment sans commentaire. Je ben lis tout ça qui dit dans notre là. Ministère des Travaux publics, transports et communications. République d'Haïti, Conseil national des télécommunications. Direction Générale. Paul Prince, le 22 novembre 2024. Monsieur Alex Saint-Surin, président, directeur général. Radio Mega FM en sa bureau. Monsieur le président, directeur général, la direction générale de l'organe exécutif du Conseil national des télécommunications, Conatel, a constaté que depuis plusieurs jours, la fréquence 103.7 MHz a vous assigné par l'État est utilisé à des fins de diffusion massive de propagande en faveur des groupes armés et qui sèment la terreur à travers la capitale. En effet, au cours des émissions, vous la parole de ces derniers jours, des chefs de gang notoires, tels Jeff Gaulois, ainsi connu, chef de gang de Canaran, ainsi que le nommé Jimmy Cherizier, recherché par la justice haïtienne et sanctionné par les Nations Unies pour actes de terrorisme à l'encontre de la population, ont bénéficié largement d'heures d'antenne pour diffuser leur message de haine et de terreur à l'encontre de la société. Ceci est en violation flagrante des lois haïtiennes et notamment des articles 51, 52 et suivant du décret du 12 octobre 1977 accordant à l'État haïtien le monopole des services de télécommunication. Par conséquent, dans le cadre de l'État d'urgence décrété par le gouvernement, et au nom de la sécurité nationale, le conatel vous demande de suspendre de suspendre immédiatement la diffusion de cette émission conformément aux articles 130 et 135 du dit décret faute par vous d'obtempérer l'article 137 prévoyant la suspension de la concession sans préju préjudice à l'application des sanctions prévues par le Code pénal ou par d'autres lois, seront appliquées. Recevez, Monsieur le Président, Directeur général, nos salutations. Jose Jean-Baptiste, ingénieur, Directeur général. Copie conforme. Raphaël Osti, ingénieur ministre de la voie publique, transport et communication. Paul-Antoine Bien-aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Patrick Pellissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. C'est du français. En résumé, il a seulement dit que Conatel qu lui a écrit en lettre à CRAP, Direction générale. Radio Mega qui est Alex Surin qui c'est président directeur général pour demander pour y fermer rapide vite émission pour compter la parole parce que selon ça l'être l'a dit émission ça prend malin plaisir pour inviter une série de chefs criminels viennent parler viennent faire propagande cap intimider société qu'on a tellement demandé pour fermer émission rapide sinon a menacé pour yon fermer radio à complètement pour sécurité nationale. S'il pas obéi après avertissement, ça. M'bale, non? Quitte le marché, tonton! Sauf que tu notes ça, là. L'avez un bon bon moment, oui. On quitte ça. On quitte ça. On quitte ça, Attendez L'éternel, là. Bible dit: L'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous comprenez? le karma. Ki egziste, an ki te sa pa pa. Ok.